Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Rookie Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Qu'est-ce que c'est? Le sol a l'air d'avoir été remué. On a enterré quelque chose ici, ça ressemble à un grand disque de pierre. À qui est-ce destiné? Blankis, 1823, 1828. Les gens. Que des noms. Et tout de l'âge de Lars. Il a déjà eu lieu. D'autres noms. Repose en paix, qui que vous soyez. Et à quoi sert cet endroit? Ça a l'air vieux et triste. Ça maintient quelque chose en place. Comme un bon feu de joie, tu es parti sans laisser de traces. Quelque chose au ventre. Très mystérieux. Un troll. Coucou. Oh non, je crois qu'il est pétrifié. Le pauvre. En route pour la Valhalla. Encore des tombes, juste un mémorial. Elles avaient sans doute quelque chose d'important. Une corde vieille mais robuste. Ça a l'air de faire longtemps que personne n'est venu ici. Il y a l'air d'y avoir une pièce là-dessous. Ça m'étonnerait que je sois assez fort pour agrandir l'ouverture. Quelqu'un a laissé un livre.
C'est un registre paroissial. Mais non, c'est tous les gens qui vivaient ici il y a très longtemps. J'espère que cette échelle n'est pas trop vermoulue. Quelle vue! Quelques fleurs magnifiques. Elle a l'air très lourde. Cet endroit a beau tomber en morceaux, elle a réussi à rester là-haut. Salut Ladybug, Underworld, Drop Dog. Il aurait pu installer un toboggan. D'un piège. Là. Est-ce que c'est lui l'arbre mère? Il doit y avoir moyen de savoir. Qu'est-ce que ça fait ici, ça? Bonne question. Les nouvelles de notre arbre mère nous laisseront toujours. Nous la ressentons. Voyons. Les nouvelles de notre arbre mère, nous ne la ressentons toujours pas. Je la trouve bientôt, c'est promis. Bon. Je peux peut-être l'attraper au lasso. C'est un bon début, mais il va falloir quelque chose de plus solide pour l'attraper. Ah, à moins que... Ah! J'essaie de ne pas lui attraper la tête.
Ne me mange pas, ça marche pas. C'est bon? C'est bon. Tu sens mieux maintenant? Trop light. Plus d'épines. Fille humaine très puissante. Halt peut aider fille. Peut-être, tu sais où se trouvent les Jofnar? Gardien, non, mais parfois Halt les sent bouger dans leur sommeil. Halt sait, eux, pas loin, grandement à l'ouest. Trollhide, va dans la grotte essayer de rappeler où passer hors troll. Gentil troll, et peut-être qu'il y a un gardien pas loin. Ah, ils vont vers un nouveau chemin, au moins. Amis des trolls. Ce n'est qu'un mini ruisseau. Autrefois, ça devrait être un grand fleuve. Dans quoi ça? Dans quoi de basse pas? Ben, j'avoue. Alors, une grotte de troll. Pile comme dans l'histoire de maman. Peur de la mort de troll. Lars serait aux anges. Je vais l'ajouter à ma collection. Hald, petite tove. C'est ta grotte? À la plus belle grotte troll, meilleure odeur et grave humidité. J'imagine. Les zibks sont humains pas là. Non, je voulais pas te déranger. Pas gentil humain, pas fait plouf avec Pierre dans beau ruisseau de moi. Qu'est-ce que c'est? Ton instrument? Flûte. Hald t'apprend un morceau troll. De quoi il parle, ce morceau? Appelle les frères trolls perdus dans la pierre. Pardon, je peux essayer d'en jouer. Mon frère aussi est perdu. Le troll seulement pour troll. Je vois. Fait cuire quelque chose, l'odeur est intéressante. Des os. Oh. Pour thé, rend Halde grande et forte. Mais goûte très mauvais. Os humain, les meilleurs. Loop. Et fini humain pour Hilde depuis une rencontre puissante Tov. Humain en sentiment, Hilde c'est ça maintenant. Ah, c'est gentil, merci. Os, poisson seulement, tu veux un peu pour devenir grande comme Tolhild? Merci, mais je doute que cela fonctionne sur moi. Comme humain boité, on utilise des feuilles séchées en sachet. Mais maman utilisait des fleurs et des feuilles fraîches. Donne à Hilde recette à thé à maman, toi, pour rendre thé aux os de Hilde délicieuse. Je ne le reconnais pas, désolé, si je trouve des sachets de thé, je te les rapporte. Gentille humaine, Hilde avait raison par transformer toi en thé. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, pas moyen de faire bouger? Quelque part dans cette forêt, je trouverai une porte qui s'ouvre sans faire de manière. Trouvez-t-y pour Halt. Je suis sûr que je l'en trouverai bientôt. Alors elle aura le meilleur thé des sœurs, troll, meilleur Hulk. Je mettrai à manger les humains, hein? Non, parce que humain va apporter thé. Je me demande si c'est pas ça. T'as gâché une bonne... Un nouveau type pour Hilde, non, j'y travaille. Encore, bon. Les cailloux, ça ne vaut pas les billes, mais ça fait autant l'affaire. Je vais pogner ça, c'était l'homme.
Qui a créé toutes ces sculptures de corbeaux? Qu'est-ce que c'est ces choses? Je peux peut-être me tailler un chemin. Oh, j'ai l'épée. Quelque chose de plus tranchant. Hein? Je vais allumer ça avec les pierres. Qu'est-ce qu'il voulait déjà lui? Tu as mangé? Pas encore, qu'est-ce qu'il tend? Juteux, pas croquant, pas dedans. C'est comme quand mon frère était bébé et que je lui donnais à manger. Ne parle pas de bébé, tu vas me mettre en colère. Qui ça? Assez, casse-croûte. Il doit être inoccupé depuis le bail pour qu'il y ait une telle couche de neige. Je me demande pourquoi ils sont partis. Donne un signe de bloquer route par un ami. J'ai trouvé une nouvelle lame, était plantée dans un troll. Enfin, elle n'est pas mal rouillée, mais pas très aiguisée. Oui, elle ne sera guère utile dans cet état. Il n'y a nulle part où aiguiser une lame pareille de ce côté de la forêt. Peut-être devrais-tu chercher plus loin. Pas clair. Peut-être.
Ça doit être le caveau des Mackerson. Indiqué qu'ils ont perdu leur fille happée par des profondeurs aquatiques. C'est horrible. Étrange statue, elle lance l'adorait si ça se trouve. Elle est décelée, mais je ne suis pas assez fort pour la bouger. On va voir. Quelque chose ici, ça ressemble à un grand disque de pierre. Maman. Hein? Hein? Quelle jolie carapace de scarabée! Et c'est un journal! Bon. Oh! Non! On peut toujours essayer.
Est-ce que c'est une ruse des corbeaux? Est-ce que tu es un corbeau? Non, fini les corbeaux, c'est promis. Ah, j'ai fermé les yeux si fort et si longtemps. Tu es un enfant humain. Vous n'aurez pas vu d'autres enfants? Oh, on chantait pour les enfants perdus ici, il y a bien longtemps. Les enfants perdus comme Lars? C'est vous, l'arbre mère, j'essaie de la trouver. Non, jeune fille, mais j'espère que tu y arriveras. Elle nous relie par des racines, du moins autrefois. Un vieux panneau artisanal. C'est quoi qu'il indique la grotte de Hilde? Peut-être que ça marche comme ça. Il va falloir des piliers pour que ça... Ah! Bonne nouveauté pour il, j'y travaille. Encore à temps. Ah. Il n'y a rien par là.
Quelle nouvelle de notre arbre-mère, nous serons toujours là. Je vois bientôt, promis. Pourquoi j'arrive pas à le trouver? Ça serait gâché de la bonne. Qu'est-ce que je le fais avec ta maudite. Maman.
Salut, désolé. Je suis en train de jouer à un jeu, je vais peut-être après, sûrement. Là, je suis pris, je suis en train de m'impatient, là. Cheximel, c'est ta femme, ça? Quelque chose que je vois pas, je suis aveugle. Jason Mackensen. Et le pauvre noyé s'appelait? Jason Mackensen. Je me souviendrai de toi, Ing. Pauvre âme perdue de ses profondeurs aquatiques. Je suis heureuse d'avoir pu trouver son nom. Il y a une certaine justice là-dedans. Ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pauvre Ing, perdu dans les profondeurs. Ing, je suis heureux d'avoir trouvé son nom, il y a une certaine justice là-dedans. On va voir l'arbre s'il parle de nouveau. J'ai réussi à enlever le troll. J'ai attrapé une épée, des pierres. Là, je viens de débloquer l'arbre, mais là, je suis un peu... Bon, moi, je me suis débloqué. J'étais sur la veille d'aller voir sur Internet, puis ça ne tentait pas. Là. Je pense que c'est lui. Il y a ça, ça va lui. Excusez. Quoi son nom? Ing, perdu professeur à côté.
Donc c'est des jeux, trouve des objets, puis... T'essayes des choses. On va voir ici les trois pierres. Ah! J'ai peut-être deux solutions. Non. Pensez au verre de quoi, là? Ah, d'autres pierres. C'est ça, chouette, ça joue à mon journal, là. Putain. Cet orgasme là. Bon, on va à l'extérieur. Ah.
Je pouvais trouver quelque chose pour aiguiser cette épée-là. Ou quelque chose pour écraser la plante. Barnac. Ah, le feu. J'ai mis de l'eau dans l'avoine. Il doit bien les piler pour que ça fonctionne, ouais, c'est ça le problème. Ça rien. Ça rien. Non, j'ai pas trouvé. Coucou Toliette, coucou Pucentol. Tu as changé quelque chose quand ta flûte? Non, rien de précieux pour il. Elle toujours veille sur. Elle jamais dort pour que toujours à l'abri. Peut-être changer quelque chose dans ta flûte. Non. Vous savez, je suis toujours à l'abri. Non.
trouvé rien. Excusez. Excusez. OK. Attends. Elle est pas encore assez aiguisée. Bien, comment ça va? Je vais voir sur internet puis je vais être comme tabarnak, c'était juste ça là. Je me demande si ça n'a pas rapport à l'église. Je pense que je descends puis... Il y a quelque chose, hein. Petite toupie. Un tabarnak, pas juste ça. Profondeur aquatique. J'ai vu ça avant.
Quelque chose que je vois pas, là. C'est marqué. Hard. Alors, vous voyez. Hey, comment ça va toi? Ça va, j'entends ma patience, ça va. Hmm.
s'appelle Rocky. Ah, oh, elle était scellée. Y'a rien qui marche, tabarnak. Dernière chose que j'ai faite, j'ai placé là, ça sur une pierre de temple. Ça m'a dit, tiens, j'ai trouvé le nom. Pauvre Ignèze. Perdu dans les profondeurs aquatiques. Oui, dans l'église, une dernière fois, là. Puis là, tabarnak. J'ai quelqu'un après. Quelque chose que je vois pas briller. Treize cent vingt-six, 63. Ouais, mais si je pourrais couper la corde en haut, je tomberais dessus. Ah, ça c'était 3, 1, 3. Ouais, mais là. Ah! C'est 123 celle-là. Elle, c'est 16. Elle, c'est 12. 16, 13. 12. Et 1203.
Plus 20. Commence bien, je me trompe. Comment ça va, si tu fais de bon? Douze trente-six, douze soixante-trois. Treize vingt-six. Voilà, Zodiac, je te parle, tabarnak. Que je peux pas trouver par moi-même, maudit tabac. C'est tout pour le jeu Rookie, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!